Good morning, allez, dans l'étude aujourd'hui, le lundi matin, Ramon Ben Hanan, Nissim Ben Aouda, Sarabat Hanawachel, ainsi que l'Irfou, et aussi l'Irfouat, les Lunishmat, Shimon Ben Eliyahu Vekuka, ainsi que l'Irfouat Ariakiba Ben Shachar, et Rafael Zvulon Ben Chayam, Alea Bator Shachar, l'Israël. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions à Sartabat Perekhe, Mishnah Dalet. Asara Nissim Nasu, la Avotenu, Ben Mitzraim, Vasara Alayam. 10 makot via Kadosh Baruch Hu à la Mitzriim ben Mitzraim ve 10 à la Yam. Sans entre parenthèses, parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas le lire. À ça, le Bartanoir l'explique, et le même Tosotium Tov aussi, donc on le lit. À Sara Nisionot Nisu Avotenu et à Makom Baruch Hu ba Midbar Shenemar ve Inasu Oti ze 10 Pe'amim velo Shame'u Bekoli. À Sara Nisim Nasu l'Avotenu, 10 miracles ont été faits à nos ancêtres, ont été produits à nos ancêtres ben Mitzraim lorsqu'ils étaient en Égypte. Et Vaasara alayam, et 10 miracles aussi sur la mer Rouge. Et on lit aussi la suite, parce que ça va un peu de pair. As eser makot via kadosh baruch hu ala mitzriim be mitzraim. 10 plaies Hachem a frappé les Égyptiens lorsqu'ils étaient en Égypte. Ve eser alayam, et 10 plaies il les a frappés de nouveau sur la mer, lorsqu'ils étaient dans la mer Rouge en refermant la mer sur eux. Ça ne correspond pas tellement avec la Agada. Là-bas, on dit qu'il y avait 10 miracles et 50, ou 200 ou 250. Là, ici, c'est rapporté juste. C'est-à-dire, dans la Gada, on dit qu'il y avait toujours 5 fois plus sur la mer qu'en Égypte. Ici, dans cette Mishnah, on dit qu'il y avait le même chiffre. Concrètement, le Bartanoa les énumère chacun. Et d'abord, on explique juste très rapidement le principe. On a compté deux fois en Égypte et à la mer Rouge. Une fois pour expliquer les miracles qui ont été produits au Béné Israël, et une fois pour expliquer comment les Égyptiens ont été frappés. Ça va de pair, parce que, en fait, le principe est simple par rapport aux plaies, par exemple. C'est facile. Il y a eu, bien sûr, les 10 plaies d'Ams, Farda, Akini, Marodé, Darchefid, Baradar, Bechosher, Baradar, Bechosher, Makad, Bechorot. Je pense que tout le monde les connaît. Alors, il y a eu, et bien, pour toutes ces 10 plaies qu'il y a eu, à chaque fois, les Béné Israël n'étaient pas éprouvés. Comme c'est rapporté en général dans les psukim, et même quand c'est pas rapporté dans les psukim, ça signifie qu'en fait, les Bnei Israël étaient aussi, ils rencontraient aussi les poux par exemple, mais les poux ne les atteignaient pas, donc ils étaient épargnés. Donc ça veut dire qu'il y a eu 10 miracles pour les Bnei Israël, qui ont été 10 plaies pour les Égyptiens, et idem, sur le même principe, plus ou moins, avec la mer Rouge, avec quand même quelques petites différences. D'ailleurs, on va commencer par ça, parce qu'en fait, c'est tout ce que le Bartanoir explique. Les 10 miracles qui ont été faits à la mer, bon, le Bartanoir allonge beaucoup. Le principe, il est que lorsqu'Hachem leur a ouvert la mer, il ne s'est pas contenté juste d'ouvrir la mer et de les faire passer. Il leur a fait ça en grandiose, avec la terre, au lieu de laisser la boue, le sable mouillé de la terre, du sol, il a transformé ça d'abord en... Il l'a séché, il l'a transformé en jolie pierre... par terre, c'était une sorte de tapis rouge de l'époque, plus ou moins, comme ça c'est un peu interprété dans le Bartanoir, dans le Tosotium Tov. Tosotium Tov qui explique le Bartanoir en fait, il y a marqué que la mer, elle a formé une sorte de ohel, une sorte de tente. C'était une protection supplémentaire pour leur montrer combien on voulait qu'ils soient dans un... Ouais, qui leur donnait les honorer par cela. Il y avait encore, ça a été ouvert, la mer a été scindée en 12 couloirs, et entre les deux couloirs, l'eau s'est transformée en pierre précieuse, très belle, où ils se voyaient un, ils voyaient l'autre, ils pouvaient boire de l'eau à partir des murs, et puis directement ça se retransformait en eau solide, ça veut dire c'était cafou, c'était cristallisé. Et voilà, c'est bon, lisez le Bartanoir si ça vous intéresse, il déduit ça de Psukim, en général de Habakkuk plutôt. Ça, c'était pour les 10 miracles qui ont été faits au Ham Israël. Les 10 miracles, les 10 plaies qui ont des Égyptiens sur la mer Rouge. Alors ça a apporté dans le Bartanoir que si on lit dans la Shira, on remarque qu'il y a 10 expressions qui expriment qu'Hachem les a jetés, il les a frappés. Rama bayam, yara bayam, taveu bayam souf, tehomot yichasyumu, yardubim solot kemuaven, tiratsoyev. Il y a 10 expressions. Bien sûr, vous savez bien que chacun est mort. D'abord, il y en a qui ont traîné pour mourir, ça c'est les Rishaïm. Les Tzadikim, parmi des Égyptiens, ils sont morts tout de suite, et de manière à ce qu'ils ne souffrent pas, tandis que les autres, il y a marqué là-bas, yochemo kakash. Bref, il y a un pasouk, il y a encore un autre pasouk qui rapporte que ça a été Kaoferet, Tzalelo Kaoferet, Bemaim Edirim.
selon le niveau de tzidkout de chacun ou pas. Hachem, il a fait qu'ils sont morts tout de suite, ou bien qu'au contraire, ça a été une souffrance terrible, la mer qui les a pris, qui les a remués, fait remonter, redescendre, étouffés, et voilà. Et ça, c'était pour les Dimakot. Maintenant, la Mishnah continue en nous enseignant qu'il y a eu aussi 10 épreuves que nos ancêtres ont éprouvées Hachem cette fois-ci. Et ça, c'est plutôt les Gnaï, c'est plutôt une honte pour nous, malheureusement. C'est que lorsqu'on va lire dans le livre de Bamidbar, alors on peut compter là-bas 10 épreuves qui sont tous énumérées. 10, pas que dans Bamidbar, ça a commencé déjà en fait depuis Béchalach. En arrivant au bord de la mer Rouge, il y en a qui ont commencé à se plaindre. Autant qu'il y en avait qui priaient Hachem pour qu'Hachem les sauve, il y en avait qui se sont plaints, qui sont partis voir Moshe Rabbeinu, qui ont dit Amébelien, Kevarim. Le Mitzrayim, la Tartano, la Moud, Bamidbar, pourquoi tu nous as pris pour mourir ici? Il n'y avait pas assez de cercueils en Égypte. Il y avait ensuite, en remontant, ils ont commencé à se plaindre. Il y a eu, avec la manne, il y a eu des plaintes. Il y a eu, bien sûr, malheureusement, le Hegel, la faute du veau d'or, et ainsi de suite, à Safsouf. Il y a eu comme ça 10 épreuves, et que malgré tout, Hachem a été patient, et finalement, il nous aime quand même, il continue à nous maintenir, et il est patient avec nous, il attend qu'on revienne vers lui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.